Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis énervée. Pourquoi? Parce que je vous fais un test 30 jours sur une marque que j'aime trop. Un produit contour des yeux de la marque Les Oitiers. J'ai trop hâte de l'essayer. Surtout, la gamme suprême est écœurante. Oui, je suis énervée parce que aujourd'hui, je vous fais un test 30 jours sur cette crème-ci qui est la Les Oitiers Age Control Suprême. La crème sublime yeux. Sérum pressé. Mais qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, je veux juste vous dire vite que la gamme suprême de Les Oitiers, je l'ai utilisée avant et je l'aime d'amour. Pour vrai, c'est une gamme méga folle avec plein de thé du Labrador qui est un antioxydant génial. Mais je veux juste vous dire que une des crèmes pour le visage, je vous fais une petite parenthèse, une petite story time. J'étais parti faire une journée dehors, glissade sur neige, là, et j'avais mis cette crème-là, pas celle-là, mais la crème pour le visage dans la même gamme suprême. Je l'avais mis sur mon visage, il faisait froid en tabarouette, j'avais pas de cache visage, là, j'avais seulement un foulard, et quand je suis revenu le soir à la maison, ma peau, quand je lui touchais, elle était pas déshydratée, elle était même à la limite un peu moite. Alors la crème a gardé ma peau ultra hydratée toute la journée, et depuis cette journée-là, je suis en amour avec cette gamme-là. En plus, Les Oitiers, ben, dans mon cœur, c'est de la qualité, ben, pas juste dans mon cœur, là. Mais pour moi, Les Oitiers, c'est une gamme que je suis fier, c'est québécois. Est-ce que c'est encore québécois avec les trucs vendus, tout ça? Mais à la base, c'est une femme québécoise qui l'a créée. Et juste pour ça, merci Lise. Et j'adore tes produits. Ma mère les utilisait, je les utilise. Pour moi, Les Oitiers, c'est de la qualité. Cessons ça. Mon amie m'a donné cette crème-là. Merci Nadine. Elle m'a dit, écoute, essaye-la. Et j'ai fait, ben oui, je vais faire un test 30 jours avec. Juste vous dire que son prix, 87$ pour 15 ml. 15 ml, c'est un prix raisonnable. C'est un millilitre raisonnable. C'est un peu tout le temps ça pour des crèmes pour les yeux. Mais là, ce qui m'intéressait, moi, d'essayer cette crème-là, c'était vraiment le sérum pressé. Je comprenais pas pourquoi t'appelais ta crème sérum. Crème pour les yeux suprême, sérum pressé. C'est quoi ça? Fait que je suis allé sur le site. Je vous lis ce qui était marqué. Le premier sérum pressé inspiré par l'innovation coréenne. Ce soin révolutionnaire contient un cocktail exclusif de plantes canadiennes ultra performantes, entre autres le thé du Labrador ultra antioxydant. Qu'est-ce qu'un sérum pressé? Inspiré de l'innovation coréenne, un sérum pressé est un produit 2 en 1 agissant comme sérum et hydratant. Pour être considéré comme un sérum pressé, la formulation doit contenir plus de 60% d'ingrédients actifs. Wow! Ce qui veut dire que c'est pas 60% d'eau, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a 60% d'ingrédients actifs, sûrement le 40% autre doit être de l'eau. Mais si je sépare mon produit en deux, il y a plus d'ingrédients actifs que de l'eau. Génial! Pourquoi choisir un sérum pressé? Pour obtenir un maximum de résultats en prélevant une petite quantité de produit. Alors, ça doit être assez riche et très glissant. Quel type de texture un sérum pressé a-t-il? Un sérum pressé a une consistance différente d'une crème ou d'un sérum régulier. Il a une texture spongieuse. A une texture spongieuse et de gel au début de l'application, puis se transforme en une couche fine lorsqu'il est répandu sur le contour de l'œil. Génial. Bénéfice. Améliore l'élasticité. J'ai vraiment la misère à parler. Hein? Améliore l'élasticité et la tonicité de la peau. Réduit l'apparence des rides et des ridules. Lift la paupière supérieure. Oh, thanks, hallelujah, Jesus Christ. Et réduit les rides de la patte doigt. Atténue les cernes, diminue les poches sous les yeux. Action éclaircissante globale. Réduit l'apparence et la taille des taches pigmentaires. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Vends-moi ça plus cher! Voyons donc! Et ça a l'air génial! Résultat. La formule contient 81% d'ingrédients actifs et 50% d'ingrédients d'origine naturelle. Ok, j'avais de la misère, mais là... Oh, ok, ça disait que pour être un sérum pressé, il fallait que ça soit minimum 60. Ça, c'est 81%! Ça veut dire qu'il n'y a presque pas d'eau là-dedans!
OK, je recommence. La formulation contient 81 % d'ingrédients actifs et 50 % d'ingrédients d'origine naturelle et aide à réduire l'apparence des trois types de cernes, creux, bleu, rouge et brun, les poches et les pattes de doigts. Non, mais pour vrai, mais j'ai attendu toute ma vie ce produit-là. Toute ma vie? Mais où étais-tu? Je te cherchais. Alors c'est ça, matin, soir, je vais mettre cette crème-là deux fois par jour et on va y aller avec ce côté-là. Parce que je trouve que ma cerne est plus creuse et plus bleue. Ouais, on va y aller avec ce côté-là. Bon, il y a du produit dans le capuchon et il y en a en masse pour faire mon œil. Je vais prendre... Ah, oh, ça sent bon. Oh! Ça a une texture bombe, je trouve. C'est riche. Moi, j'adore ça, des crèmes riches. Mais c'est pas gras, c'est bombe. Ça sent bon, ça sent pas grand-chose. Alors, on y va. Et on n'oublie pas, ils ont dit qu'on peut faire la paupière mobile. Je me gâte, moi je vais être lifté. Parce que, en plus, cette paupière-là est plus tombante que l'autre. Tu vas me relever ça, ma Lise. Ah, c'est très agréable. Moi, j'adore les crèmes pour les yeux ultra riches et ben je la trouve riche. Je peux pas vous mentir, c'est pas léger. Mais ça commence à fondre. Ouais. Là, ça fait une fine couche, mais c'est vraiment texture bon. Oh, j'adore ça. Puis ça va travailler sur toutes les cernes. Oh mon Dieu, puis lifter ma paupière. J'ai déjà hâte dans 30 jours. J'ai déjà hâte, comme je me baignerai là-dedans. Fait que c'était ma première journée. On se revoit. Bye. Coucou gang, je suis prêt à vous faire mon avis pour le 30 jours d'essai de cette crème pour les yeux, Lise Wattier, le Age Control Suprême, mais pas n'importe lequel, le sérum pressé. Parce qu'il y en a plein d'autres, trompez-vous pas, c'est celui sérum pressé. Ça fait 30 jours que je l'essaie sur juste un côté de mon visage, ben un côté de mes yeux, et je suis prêt à tout te dire, mon expérience, et je dois te dire, premièrement, j'ai un coup de cœur. J'ai vraiment un coup de cœur pour la texture. C'est génial. C'est riche. Oh, pff, ça s'étend bien. Ça sent bon. Ça sent pas wow, mais ça sent bon. La texture, oh, plus, j'ai adoré. Cette crème-là était censée jouer sur le lift de ma paupière, sur les cernes bleutées ou bruns, et aussi les rides et ridules. Je dois te dire que après quelques temps, j'ai remarqué que ma paupière était plus liftée. C'est jamais comme une opération gang. Oubliez jamais, je vais mettre des photos là, de avant puis après. Mais oubliez jamais, ce n'est pas un lifting, c'est du cosmétique. Mais j'ai remarqué une petite différence. Et moi, sur l'œil que je l'ai mis, c'est mon œil qui est super tombant. Fait que je vois tout de suite une différence s'il y a à en avoir. Sur les ridules, wow, genre, sont presque partis. Je capote sur ce produit-là. Ça les a vraiment gorgés d'hydratation. Ça les a lissés. Je capote sur ce produit-là. Et pour les cernes, j'ai pris des notes et j'avais marqué 0. Par contre, quand je regarde la première photo que j'ai prise puis la dernière photo que j'ai prise aujourd'hui,
je vois quand même que mon œil est illuminé. Ça l'a pas enlevé mes cernes, sont là pour rester mes cernes, mais ça les a éclaircis et pour ça, wow, ça veut dire que ça fonctionne aussi. Fait que je te dirais que ce produit-là de Lisoîtier, c'est clair que je vais le réutiliser. Quand j'en aurai plus, c'est clair, je vais aller l'acheter. Je l'aime trop et c'est un super produit à avoir. Oui, il est sur le côté plus cher, mais je te dirais que tu pourrais l'utiliser en cure. T'sais, prends ça, achète-le une fois, fais-le. Quand t'sais, là, t'es fatigué, là, t'as besoin d'un remontant, prends ça, fais-le. Une fois que c'est fini, achète autre chose ou reste avec ça. Si toi, tu peux, tu dis, mais moi, je veux que la qualité toujours, ben continue avec ça, tes gars. Mais je te dirais de l'essayer, là. Je pense que tu vas vraiment l'adopter parce que moi, j'ai capoté sur la texture. Je te le dis, la texture, j'ai capoté. Fait que sur ça, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi en barre d'infos si toi, tu as déjà utilisé ce... Ben, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi pas en barre d'infos. Mais dis-moi en commentaire si toi, tu as aimé cette crème-là. Est-ce qu'il y a un autre produit de Lisoîtier que tu as essayé que tu trouves qui vaut vraiment plus la peine que lui? Ou toi, l'as-tu acheté? Tu l'as-tu aimé? Tu l'as pas aimé? Tu l'as pas aimé? Écris-moi le pareil, je veux tout savoir. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Fais-moi un petit pouce. Et là-dessus, je te dis bye. We'll be right back.